On a un bouton dans notre tête où, quand on tourne ce bouton, l'envie de gagner et d'arriver quelque part, cette envie de vraiment partir, de faire quelque chose, doit devenir plus grande que la peur qu'on a de perdre ce qu'on a. De voir les choses comme ils sont, c'est la meilleure manière de voir les choses. Quand tu as un verre, il est moitié plein ou moitié vide, comme les gens disent. Il ne faut pas le voir comme moitié plein ou moitié vide. Il est où il est. Et quand tu vois la vie vraiment réelle, comme c'est vraiment, c'est là où tu peux réagir vis-à-vis des informations que tu recevras de ce qui se passe à ce moment présent. Dans la tente à moins 50, j'ai pas envie de sortir la tente. Je suis pas motivé de sortir la tente, mais je suis discipliné. Et cette discipline me permet de se réveiller 5 minutes plus tôt. De pas rester au lit parce qu'il fait trop chaud. Et au bout d'un moment que je dois enlever cette sac de couchage, je dois mettre mes habits, je dois aller tirer la luge, même si c'est difficile, même si peut-être c'est la dernière fois que je sors ma tente parce qu'un ours va m'attaquer ou je veux tomber dans l'eau. Ça sert à rien de se mettre devant la télé en râlant, en disant que la vie est difficile. Comment tu peux faire un grand obstacle plus petit? La seule manière de le faire, c'est que, en fait, si tu t'améliores toi-même, si tu t'entraînes, si tu t'informes, si tu travailles sur toi-même, c'est là où l'obstacle, il va devenir plus petit. D'aimer les gens qui nous entourent et d'être convaincu quand tu te lances dans quelque chose que tu as une possibilité d'arriver. La conviction qu'on a dans la vie, c'est grâce à ça que les autres commencent à croire en toi. Et s'ils t'aiment en plus, l'amour, c'est quelque chose qui passe toutes les frontières. Quand tu es convaincu et tu es aimé et tu es entouré par les gens qui te soutiennent, tout devient possible.